Lupanar Barbaro, Vito à l'appareil. Vito, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier? J'étais morte d'inquiétude. Maman? Je savais pas que t'avais le numéro de Joe. Et d'où tu téléphones? Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo? Tu as trouvé du travail? Ouais, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, mio bambino. Au revoir, maman. Bonjour. Et là alors, rien de bien à la radio? C'est pas vos oignons. Si vous baissez pas le son tout de suite, j'appelle la police! We'll be dancing the victory. Si vous baissez. Invasion of Germany. President Roosevelt has concluded his secret meeting with British Prime Minister Winston Churchill to draw up plans for a final offensive against Hitler's army. Not known is why Soviet leader Joseph Stalin was not present. Rumors are swirling that this... Ferme la porte, on caille! Qu'est-ce que tu veux? Je cherche monsieur Papalardo. Ah ouais? Pourquoi? Je m'appelle Vito Scaletta. Mon père travaillait pour lui et je cherche du boulot, alors je viens le voir. Ouais, t'as frappé à la bonne porte, petit. Federico Papalardo, à ton service. Tu peux m'appeler Derek. Je me souviens de ton père. Un type bien, mais un sacré poivreau. Et qu'est-ce qui devient, là? Il est mort. Oh, ouais. On doit tous y passer un jour. Hein, Steve? C'est sûr, Derek.
Donc tu veux bosser, hein? Tu tombes à pic. On a une cargaison à décharger. Steve va te montrer où c'est. Allez, oust, j'aime pas manger froid. Ah, suis-moi. Charge les caisses dans ce camion. Ça te rapportera 10 dollars. S'il en manque une, ou s'il y en a une de cassée à la fin, t'es pas payé. Allez, au boulot et traîne pas. Ça, j'ai fini. Vous pouvez garder vos billets. J'ai besoin d'un boulot, mais là, c'est de l'esclavage. Ouais, fous-moi le camp d'ici. Que je te revois pas traîner dans le coin. Ça risque pas. Je peux me faire 100 fois plus de fric en bossant pour Barbaro. Quoi ? T'as dit Barbaro ? Joe Barbaro ? Ouais, et alors ? Merde, jamais vu des potes de Joe porter des caisses pour un billet de 10. Qu'est-ce qui t'a pris ? Viens avec moi. Quoi encore ? Le travail manuel, c'est pas son truc. Ah ouais ? Et alors ? Il dit qu'il bosse avec Joe Barbaro. Mon cul ! Les types qui bossent avec lui portent pas de caisse. Va falloir t'expliquer un peu, là, mon gars. C'est quoi, l'histoire ? C'est ma mère qui a insisté pour que je vous demande un boulot honnête, mais il me faut pas mal de pognon. Ça va pas marcher. Les femmes. Toutes les mêmes, pas vrai, Steve ? C'est sûr, Derek. Elle veut pas que tu traînes avec Joe, pas vrai? Ma mère, c'était les mêmes salades, et regarde ce que je suis devenu. Patron du syndicat. Maintenant, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps sur les quais. Comment va Joe? Je crois qu'il va bien. Comment tu l'as connu? Oh, on a grandi dans le même quartier. Moi, je viens juste de rentrer d'Europe, et il m'aide à me retourner le temps que je me pose. Écoute, il faut que tu comprennes que dans ma situation, je dois être prudent. Bien sûr. Alors ça te dérange pas si je téléphone à Joe ? Non, allez-y. Où j'ai foutu son numéro ? Ah ! Il est peut-être pas là. Ça se présente mal. Ouais, Joe, c'est Derek. Écoute, j'ai un type ici. C'est quoi ton nom déjà ? Vito. Vito. Il cherche un boulot et il dit que c'est un ami à toi. Un bon ami. Je voudrais que tu me confirmes tout ça. Eh ben, un héros de la guerre et tout. Bon, je te remercie. À la prochaine. Désolé, mon gars, je devais vérifier. Joe dit que tu rentres juste d'Italie. Tu dois savoir te débrouiller, non ? Si tu veux te faire un peu d'argent, j'ai ce qu'il te faut. Sur les quais, les gars sont supposés payer un forfait mensuel au coiffeur, mais la moitié donne rien. J'ai besoin qu'on les motive un peu. 10 dollars par gars. Et s'ils ont pas besoin de coiffeur ? Ah, dans ce cas, à toi de te montrer convaincant. Je vois. Et si quelqu'un fait des histoires,
Ben, tu lui casses la gueule. Disons que tu lui donnes une bonne leçon, mais qu'il n'empêche pas de travailler. Pigé ? C'est pour ça que Steve peut pas faire ça, hein, Steve ? Sûr, boss. Rapporte-moi au moins 150 billets et je t'en refile 50. Tu te balades, tu respires le bon air, tu fais la causette. De l'argent facile, quoi. Qu'est-ce que t'en dis ? Je prends. C'est mieux que de se taper des caisses. Bon. Je viens pour le forfait du coiffeur. Ah ouais, ça m'était sorti de la tête. Merci, t'as été très coopératif. Salut, Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Tiens, voilà, je veux surtout pas d'ennui. La prochaine fois, paie à temps, ok ? Merci. Hé, Derek voudrait que tu paies le forfait du coiffeur. Hé, hey, à qui tu crois que t'as affaire, là ? À un gars qui va payer ce qu'il doit ou qui va se faire tabasser. Pourquoi ? Ça te plaît pas ? C'est toi qui me plaît pas. Alors dégage avant que je te botte le cul. Tiens, prends ton sale pognon. Tu vois, quand on discute calmement. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Écoute, petit con, je suis pas d'humeur. Alors débarrasse le plancher avant que je me fâche. Ah, désolé, l'ami. Derek veut son fric. Il peut se le foutre au cul. Il va me faire quoi ? Me buter ? Tiens, c'est une idée, ça ? Essaye un peu pour voir, fils de pute ! Tue-le ! Attention ! Ok. Y a quelqu'un d'autre à qui ça plaît pas de payer ce putain de coiffeur ? Voilà le pognon, patron. Bon boulot. Voilà ta part. J'ai vu t'occuper de Bill. Impressionnant. Steve avait failli se faire massacrer quand il avait essayé. Pas vrai, Steve ? Sûr, Derek. Voilà une prime pour ce con de Bill. Merci. Ce type nous aura vraiment fait chier. Allez, reste pas là, petit. J'ai des affaires qui peuvent pas attendre. Et surtout, salue ta mère de ma part. Dis-lui que je t'ai engagé comme mon nouvel assistant. Ouais, d'accord. À plus tard. Hé, hey Vito, j'ai failli oublier. Joe a appelé. Il veut que tu le retrouves chez Freddy. Je vois rien d'autre à te faire faire pour l'instant. About love, and that's committing a sin.
to for questioning her, for questioning her, for questioning. Confess, you really love me too. I'm Barry Shoon from Shoon & Sons Grocers. You know, I've been in the grocery business for over 35 years now, and soon I'll be handing over the reins to my sons, Perry Jr. and Gunther. The Shoon family wants you to know that even now when times are lean, we strive to maintain the best selection of groceries for you and... Alors, ton ami, dit-on. Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens les affranchis qu'on voyait quand on était gosse? Ouais, pourquoi? Le type qu'on va voir, eh ben c'en est un. Il s'appelle Henri Tomasino. Et je crois qu'il a un gros truc pour nous. Non, c'est vrai? Ouais. Fini les boulots à la petite semaine. Il est temps de se faire des couilles en or. Tiens, le voilà. Surtout, pas de gaffe. Hé, hey, Henri, comment ça va? Salut, Joe. C'est lui, le gars? Ouais, voilà Vito, un très vieil ami. Bonjour, monsieur Tomasino. Il est réglo? Absolument, Henri. Je lui confierai ma vie. Ok, écoute, j'ai un boulot pour toi. Et bien payé. C'est des coupons. Avec la pénurie, les coupons d'essence valent une fortune. Et où on en trouve? Dans le bureau chargé du contrôle des prix. Mais, c'est une agence gouvernementale, c'est pas un peu risqué? Quoi? Des fois, c'est ça? Non, 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 je veux juste savoir comment on va s'y prendre. T'en fais pas, c'est du tout cuit. Les coupons sont dans le coffre la nuit, mais il a sûrement les clés sur place. Vous êtes bien renseigné. Ouais, un de nos gars. Sa sœur y travaille. Elle nous aidera? Tu lui demanderas. Elle s'appelle Maria Milo. Voilà l'adresse, vas-y de ma part. D'accord, et pour le coffre, si on trouve pas les clés? C'est ton problème. Et pour la paye? Je te donnerai 600 billets en échange de 10 000 gallons en coupons. Ok, on marche. Non, 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 Vito doit se débrouiller seul. J'ai un autre boulot pour toi, Joe. Alors, t'en dis quoi, Vito? Ouais, ça me va. Oublie pas d'apporter ton flingue. On sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux prévenir que guérir, capiche? Hey, c'est pas un braquage d'épicerie. Je veux un boulot nickel. Si tu déclenches l'alarme, tu touches qu'un tiers de ta part, capiche? Ouais, entendu. J'ai pigé. Ok, après le coup, tu repasses ici, on fait l'échange. D'accord, à bonne chance, Vito. Allez, à bientôt. Central Radio. Press Radio News. I'm Lowell Harris. In the Pacific, Japanese fighter pilots are running so low on ammunition and hope that they're relying on their sheer will as a last-ditch effort to win the war. From January 4th through the 8th, five ships have been sunk in the Gulf of Lingayen alone. The tactic known as kamikaze, where Japanese pilots, due to shortages in fuel and bullets, are dive-bombing their planes into Allied warships, is sure suicide for the pilots who volunteer for the grim task. Though Allied forces are fighting back, they are still trying to figure out... Sujet. Bonjour madame, c'est monsieur Tomasino qui m'envoie. Il dit que vous pouvez m'aider à régler un petit problème avec le bureau du contrôle des prix. Je vois. Quel est votre problème? Je veux y entrer ce soir. Bon, écoutez. Il se trouve que ma sœur est à l'hôpital. Vous n'avez qu'à m'y amener et je vous dirai comment faire sur le chemin. C'est juste en face du Bucop. Ça ne vous retardera même pas. Bien, ça me va. Je viens, mais vous conduisez prudemment, d'accord?
Les jeunes sont tous comme des fous, nos jours. Bon, alors. La nuit, tout est fermé à clé. Vous allez devoir passer par derrière. Il laisse la porte de derrière ouverte? Non, mais la fenêtre du sous-sol, oui. Vous pourrez entrer par là. Vous cherchez le coffre, j'imagine. Ouais, comment vous le savez? Une intuition. C'est au dernier étage. Comme le bureau du directeur du sous-sol. Donc, j'entre par une fenêtre de derrière, puis je cherche le bureau du directeur à l'étage, c'est ça? C'est ça. Et faites attention, il y a des gardes la nuit. Vous allez tuer quelqu'un en conduisant comme ça. Je dois vous verbaliser. Merci bien. Je veux pas vous revoir dans les parages. Radio News. I'm Lowell Harris. January 17th, Warsaw, Poland. Polish flags fly high in celebration as the Polish people have now been liberated from the tyrannical grip of the invading Nazi forces. Soviet troops marched into the capital city and battled fierce resistance to expel the Germans from Polish soil, delivering yet another crushing blow. There are reports of heavy casualties on both sides of the conflict. Déposez-moi devant l'hôpital, juste ici. Le bureau est de l'autre côté de la rue. Ok, et merci bien, petit. Merci, Maria. À bientôt. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. Va te faire foutre! Veilleuse que je finisse mes mots croisés. Oh là là. Bon allez, je vais faire une ronde, moi. Ben bon débarras. Le bureau du directeur. C'est sûrement là qu'il garde la clé. C'est bon, voilà la clé. Au coffre maintenant.
merde. Sans problème, ça va leur faire tout drôle demain. Parfait. Je vois que Joe sait choisir ses amis. Ah, voyons voir ça. Eh, merde. Y a un problème? Tu m'étonnes qu'il y a un problème. Les coupons que t'as pris ont une date d'expiration. Et cette date, c'est demain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux rien en tirer. Sauf si tu les distribues aux stations-service avant minuit. Ils pourront les tamponner pour remboursement. Essaie d'en refourguer à toutes les stations-service. Et avant minuit, ou alors on l'a dans l'os. Vends-les dans les temps où tu touches que dalle. Attendez, c'était pas ça notre accord. On n'a jamais parlé de date d'expiration. Les aléas du métier. Bon, règle-moi ça. Je te le revaudrai, crois-moi. Allez, vas-y. Plus vite tu les refourgues, plus t'auras de pognon.
Bon, à plus. Ça vous intéresse des coupons d'essence? Ouais, mais pas de blague. Faut que ça reste entre nous, d'accord? Ça me va. Tant que vous savez tenir votre langue. Ok, c'est bon pour moi. Des coupons d'essence? Ouais, mais pas de blague. Faut que ça reste entre nous, d'accord? Ça me va. Tant que vous savez tenir votre langue. Ok, c'est bon pour moi. Vous seriez acheteur de coupons d'essence en trop? Hey, d'où ils viennent? Non, attendez. Je préfère pas savoir. C'est plus sage. Envoyez le pognon. Ouais, d'accord. J'espère que je le regretterai pas. Vous en faites pas. Gardez ça pour vous, c'est tout. Where the gang loves to go to see Queenie, the beauty of the burlesque show. And the thrill of the evening is when out Queenie skips and the band plays the polka while she strips. The band plays the polka while she strips. Take it off, take it off.
J'ai des coupons d'essence en trop, ça vous dit? Ouais, ouais, ça m'intéresse. Parfait, voilà, envoyez l'argent. Bien sûr, tenez, voilà pour vous. Merci, et surtout, vous m'avez jamais vu. Descend sans trop. Je peux vous faire un prix si ça vous dit. Allez, attendez. Je les prends. Bon, tenez. Et surtout pas un mot à qui que ce soit, d'accord? C'est promis. Ce sera notre secret. Vaudrait mieux. You're being held for questioning. For questioning. Held oh so closely in my arms. For questioning. You're being held for questioning. As I'm a victim of your charm, for questioning, and I demand an answer now. For questioning, this time you can't escape and run. For questioning, I'm holding you responsible. For questioning, for all the damage you have done. You're guilty. Colle une amende, monsieur. Bon sang, ma voiture! Merci bien. Rendez-vous service. Respectez la loi. J'ai des coupons d'essence en trop, ça vous dit? Ouais, ouais, ça m'intéresse. Parfait, voilà, envoyez l'argent. Bien sûr, tenez, voilà pour vous. Merci, et surtout, vous m'avez jamais vu. Parfait, c'était le dernier. À plus. Au moins, je me suis fait un peu de blé. Bon, je rentre chez Joe.
Radio News. I'm Lowell Harris. Victory in Europe is at hand. That's the rumor anyway, as President Roosevelt is reported to be meeting with the leaders of Great Britain and the Soviet Union to determine how Europe will be divided amongst the Allies after Germany's imminent defeat. The meeting, which is taking place at a secret location, once again puts together the men who have come to be known as the Big Three. Our own President Franklin Roosevelt, British Prime Minister Winston Churchill, and Joseph Stalin of the Soviet Union. Military experts are hoping this conference will result in an even stronger relationship between the United States and Great Britain and strengthen Western ties with the Soviet Union. For Press Radio News, I'm Lowell Harris.